macadam et luisant comme une peau de requin presque noire. Il est chaud comme un printemps sous le soleil qui revient dans le soir. Renaud a écrit les textes. J'ai composé toutes les musiques sauf deux. Une qui a été composée par le réalisateur de l'album, qui s'appelle Peter Glenister. Et Dylan qui a été composée par Alain Lanty. Le déluge a disparu sur la ville trépidante et sauvage. Il a balayé les rues sous les bourrasques violentes d'un orage qui m'a prise au dépourvu à inonder mes cheveux. Pourquoi l'Angleterre? Parce que je cherchais au départ un petit peu un réalisateur avec un son un petit peu plus sale que ce que j'avais pu faire pour le premier album. C'est un album beaucoup plus guitaristique. Il y a plus d'ambiance guitare que clavier. Le réalisateur d'Après la pluie est guitariste. Le réalisateur du premier album était pianiste. L'amour après la pluie. Trouveras-tu joli après la pluie, mon amour. Tout ça, ça s'est étalé sur un an. Mais en fait, tout a été enregistré pendant que j'étais enceinte. Bébé a participé à toutes les voix. C'est rigolo. T'es partie, j'avais pas 2 ans, me laissant seule avec maman. Son chagrin. T'as préféré ta liberté aux douces chaînes d'un foyer bien trop serein. Mon père, je l'ai connu quand j'avais 18 ans, donc je l'ai fantasmé, quoi. Je l'ai imaginé, je l'ai idéalisé. T'étais pas là, tu m'as manqué. Renaud, connaissant mon histoire, a écrit ça en brodant un petit peu aussi. T'étais pas là, tant pis pour toi. T'as pas connu les premiers pas. Disons que j'en ai fait une chanson et qu'elle me prend aux tripes et qu'elle a été choisie comme single. J'ai beau tourner dans tous les sens, le sommeil n'est toujours pas là. Le lit est grand, c'est une chance. Tu peux dormir pas loin de moi. À mon sens, cet album est beaucoup plus personnel, dans la mesure où Renaud a écrit les textes sur mesure, quoi qu'il en soit, que ce soit mes idées de thème, de chanson, ou ses idées à lui. Ses idées. Je veux dire, il les a écrits pour ce que je suis, pour ce qu'il connaît de moi. Prendre un médoc, pas trop confiance. Les ai déjà tous essayés. Me méfie de l'accoutumance. Si l'un d'entre eux pouvait marcher, je sais déjà par expérience.